ça fait beaucoup de bien. Au cas où qu'on est un peu épuisé et tout, on pourrait s'amuser à faire ce qu'on fait en ce moment et ce qui fait très plaisir pour tout le monde. Pour nous en tant que famille, d'abord parce qu'il y a voilà, les deux parents, le frère, voilà, tout le monde est ensemble à faire quelque chose voilà, en commun, avec en plus d'autres familles qui partagent voilà, les mêmes difficultés. Alors voilà, c'était un moment vraiment de communion ensemble voilà, qui nous rend très heureux. C'est aussi tout l'intérêt que portent les gens à la différence de nos enfants et à ce qu'on vit nous et ce que vivent les autres familles. Et ça, c'est important aussi de se sentir cette solidarité-là. J'ai été dans pas mal d'écoles pour travailler avec des enfants qui étaient dans des écoles de musique, mais aussi travailler avec, avec d'autres enfants, que ce soit des enfants de la rue ou qui ont juste envie. Tout ceci, c'est une manière aussi de transmettre la tolérance, l'intégration, la compréhension de l'autre et le partage. Et je pense que tout ça va de pair avec l'universalité de la musique. Comme le bon sens, la musique est la chose la mieux partagée. Est-ce que tu crois que tu vas le refaire, l'exercice, une fois que tu seras chez toi ? Bien sûr, je le ferai dès que je serai arrivée.